Bonjour, dans cette vidéo, on va vous présenter la nouvelle fonction partenaire d'affaires sur Zerudy. C'est un truc que vous attendez depuis longtemps sur Zerudy. On avait un petit peu temporisé pour plein de raisons. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Dorénavant, vous pouvez effectivement donc avoir des apporteurs d'affaires, des partenaires que vous pourrez rétribuer dès lors qu'ils recommandent vos formations en ligne. On appelle ça habituellement l'affiliation, donc nous on préfère appeler ça partenariat, des partenaires, partenaires d'affaires. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va vous encourager à peut-être identifier des bonnes personnes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis du temps à sortir ce genre de fonction? La première raison, c'est que moi pendant longtemps, j'avais mis en place un système d'affiliation sur les toutes premières versions de mes sites web générés par aujourd'hui Zerudy. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui s'était inscrit et au final il y avait très peu de gens qui travaillaient, qui envoyaient vraiment du trafic et qui étaient affiliés. Et la problématique, c'est qu'il y avait des gens qui n'étaient même pas déclarés et qui envoyaient des fausses factures. Et ça, pour le coup, mon expert comptable m'a demandé de mettre le holà là-dessus. Et on s'est posé cette question, comment est-ce qu'on pourrait au contraire proposer des choses plutôt professionnelles? Il faut bien comprendre que l'affiliation, aujourd'hui c'est un petit peu la mode. Enfin, ça fait longtemps que c'est la mode, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Quand vous voulez générer du trafic, avoir des partenaires qui ont des bases d'emails qui peuvent vous envoyer du trafic sur votre site, moyennant, on va dire, quelques finances s'il y a des achats, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Nous, on a toujours été convaincus que malgré tout, ça pourrait se faire de façon un peu plus, plus soft, hein, dans le sens où moi, quand j'aime quelque chose, j'aime bien le recommander. Maintenant, c'est vrai qu'on est à une époque où cette notion financière est réelle. Les gens, c'est vrai que pour les motiver, c'est mieux si derrière il y a une carotte, c'est mieux s'il y a un cadeau, c'est mieux s'il y a de l'argent. Les gens, ils ont du mal, enfin pas du mal, mais on voit bien que cette notion financière, c'est important. Les gens ne font plus trop les choses de façon désintéressée. On le regrette réellement, dans le sens où nous, on est assez fans, si vous voulez, du côté simple et safe des recommandations. Moi, j'adore recommander des gens que j'aime bien et j'ai pas besoin d'être payé pour ça, si vous voulez. En contrepartie, j'aime bien quand les gens me recommandent parce que voilà, et c'est parce qu'on trouve que c'est naturel de recommander les bonnes choses. Mais bon, voilà, on a créé cet espace partenaire. Je vais vous montrer comment ça fonctionne maintenant. Suivez-moi sur mon écran. Donc ici, on a un site factice, c'est Rudy. Un site vitrine, enfin un site vraiment pour vous montrer comment ça marche. En fait, c'est très simple. Vous allez donc dans votre admin, vous allez dans vente et vous retrouvez ici la liste des partenaires. Voilà. Donc là, vous intégrez des partenaires. Vous pouvez créer des nouveaux partenaires ici. Donc là, admettons, j'ai ici un monsieur qui s'appelle Delomel Vincent, ça tombe bien. Il est partenaire. Bon, Delomel Vincent, partenaire. Je vais définir des primes par défaut pour des formations en ligne. Donc en l'occurrence, j'ai défini pour la formation 1 un pourcentage de 50% de commission par vente. Je pourrais le faire pour tout le monde, pour tous les cours, mais finalement j'ai décidé que ces deux seules formations seraient accessibles à la recommandation, moyennant finance. On peut définir des commissions en pourcentage ou en euros, ici. Donc restons en pourcentage par exemple. Je reviens au partenaire. Maintenant, j'ai intégré un partenaire, c'est Vincent Delormel. J'ai peut-être fait un travail avec lui pour voir s'il était sérieux, voilà. Et admettons que ce Vincent Delormel-là, eh bien, c'est quelqu'un qui a demandé des choses un peu spécifiques. Déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais donc définir des primes pour lui habituellement, si vous voulez, ici. Le Vincent, là, enfin tous les affiliés, ils ont 50% de, on va dire de, ils ont 50% de commission. Et admettons que Vincent Delormel négocie à 60%. Eh bien, on peut le faire. On peut aller sur chacun des apporteurs d'affaires, des partenaires, et définir au cas par cas un niveau de commission, parce qu'on estime que telle personne est peut-être plus plus performante ou parce qu'il y a eu un travail de négociation. En fait, exactement de la même façon que si vous travaillez avec des commerciaux, il y aurait une négociation en amont et que tel commercial dirait « Attention, moi je suis quelqu'un, moi je te réclame tant de pourcentage. Ta prime de base, moi j'en veux pas, je veux tant. » Et dans ce cas-là, bah, vous acceptez le deal parce que cette personne-là, vous savez qu'elle est performante. Donc, vous pouvez le faire. Mettez un délai de blocage des primes, voilà, ce genre de choses, c'est très très simple. Et à partir de là, donc vous enregistrez et c'est OK. Vous allez pouvoir leur proposer des pages utiles. Ça veut dire quoi?
C'est que dans l'espace, dans leur espace membre, il faut qu'ils puissent, ces gens-là, recommander un lien vers une page de vente ou n'importe quoi. Donc admettons ici, pour la formation 1 qui est en commission, je vais ajouter une page. Genre, moi je pense qu'il faut qu'elle aille sur la page. Alors du coup, j'ai pas les pages, on va dire, marketing de tout ça. Je vais essayer d'en trouver. On va essayer d'en trouver vite fait là, voilà. Tac, tac, tac. Admettons que pour cette page-là, est-ce qu'il y a un scénario? Oui, il y a un scénario. On va prendre le scénario qu'il a. Voilà. Et donc la page utile pour eux, ce serait ce lien-là, quoi. Là, j'ai dit, ça, c'est le lien vers la page de vente. J'ajoute, voilà, c'est parfait. Donc le lien est ici. Donc on définit pour chacune des formations en ligne un lien qui serait utile à nos partenaires. Et ensuite, ben écoutez, il suffit d'aller voir le compte de ce monsieur-là. Je vais prendre son lien de connexion. Je vais mettre une fenêtre de navigation privée. Voilà. Donc je vais mettre ça en plein écran, c'est mieux. Voilà. Il est donc connecté. Et qu'est-ce qu'il va trouver dans son espace? Il va trouver son espace partenaire ici. Et là, donc, il va donc pouvoir accéder à ses différentes formations. Donc celle-ci pour lui. Voilà, il a ce lien-là. C'est ça qu'on lui permet lui de recommander à ce monsieur-là. Il va pouvoir maintenant lui mettre ici son lien. C'est lui qui va générer un lien. Enfin, c'est lui qui va décider un lien, genre ma formation 1. Il va mettre ce qu'il veut. Comme ça, voilà. Qui redirigerait vers ce lien-là. C'est ce lien-là, pardon. C'est ce lien-là. Hop. Copier l'adresse du lien, pardon, voilà. Ah bah si, c'est cet email-là, pardon, c'est ma faute. Donc quand on clique dessus, voilà, ça remplit automatiquement ce champ-là, pardon. Et là, moi en tant que partenaire, je mets une note, lien pour la formation 1, voilà. Il enregistre, voilà. Et comme ça, il a ce lien-là qu'il va pouvoir envoyer à ses prospects, ici, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe après? En fait, à chaque fois qu'il y a des clics ou des ventes, et bien, ça apparaît dans son tableau de bord ici. Voilà. Et là, il voit ses primes disponibles ici et ses gains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est l'espace partenaire que vous pouvez désormais proposer à vos clients, enfin, toutes les personnes qui sont fans de ce que vous faites. Donc, vous pouvez maintenant désormais en faire des partenaires. Que demander de plus? Donc, on est en plein test là-dessus, nous, de notre côté. Donc, vous pouvez vous aussi tester de votre côté. On vous encourage à faire les choses bien, parce que d'ailleurs, on va faire une petite formation en interne pour, on va dire, former des partenaires, des bons partenaires, et sans doute apprendre à les identifier pour ne pas faire n'importe quoi. On va sans doute restreindre le nombre de partenaires par site web, par compte. On est encore en train de réfléchir à tout ça, voilà, c'est en réflexion. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez des bons partenaires, des gens qui sont capables de vous amener vraiment du trafic de qualité. Et donc, on vous encourage, nous, à faire des choses très professionnelles, de ne pas forcément prendre n'importe qui, parce que si vous prenez n'importe qui, que ces gens-là, l'image ne correspond pas à ce que vous voulez vous communiquer, parce qu'il y a des gens, hein, qui font ça, qui prennent des liens, on va dire, de partenariat, et qui, en fait, font un peu n'importe quoi. Il en va aussi de votre crédibilité. Vos partenaires, ce sont des personnes qui vont parler de vous, et donc il en va aussi de votre crédibilité. C'est à vous de savoir si vous acceptez tel ou tel partenaire, donc de bien les qualifier. Voilà. C'était la petite astuce et les derniers développements de Zerudy. Il y en a plein d'autres qui sont en route. On vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À bientôt.